après ben, quelques minutes avec Pierre-Antoine Nuit, qui est avocat politologue, ancien diplomate américain et fonctionnaire de l'ONU, qui a travaillé dans environ 4 missions Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, à Côte d'Ivoire, qui a été recevoir pas longtemps là, hein, dans l'espace-là, mais matin, hein, qui a souhaité faire un petit commentaire avec nous par rapport à dernier article Miami et Radlan. Pierre-Antoine Nuit, bonjour. Bonjour, Monsieur Dussel, bonjour à collègues de la radio, bonjour à la direction de la radio et tout le monde qui attendait, quel que soit le côté dans le monde. Ou les articles Miami Rala et où tu souhaitais faire, partager avec nous compréhension de ça qui dit en texte. Oui, mon collègue a bah, une excellente présentation de cet article-là dit et puis implication cet article-là dit à si. Point qui exprime ta correct. Alors, point bas me dit c'est que faut nous prendre en séquence et par étape. Et étape c'est qui ça? Bon, un cheminement dans la communauté internationale là bagarre la prend. Il y a une façon que ça fait. Maintenant la prochaine étape c'est pour Kenya yo fait élaborer un rapport de mission de l'UNFA en Haïti, ya, qui en passant est une mission qui coûte dans Jean-Bagassa au Confea parce que on travail préliminaire qui était fait déjà sous, si nous rappelons, le Canada, t'as fait JVC, et soit pour le vini, soit pour le pas vini, t'es une mission canadienne qui vini, y'a parlé avec moun, t'es même gain avion canadien, cap chercher, cap prendre renseignement dans l'espace aérien haïtien, t'es même gain bateau, canadien, qui dans la baie de Port-au-Prince, qui t'a font travail tout. Donc, on paquet de données, et puis gain des données de renseignement, géopositionning, tout est, positionnement, toutes sortes de données comme ça. Donc, tout bagage ça va, tout élément ça va alimenter le travail kenyan. Donc, il est venu rencontrer une série de monde. Bon, moi-même, moi, j'ai dit, discuté lundi matin, que j'ai pensé que j'ai dû rencontrer des Haïtiens qui opposaient à déploiement force multinationale là. Bon, apparemment, on va faire ça, c'est son erreur, parce que ça permet de comprendre le contexte sociologique là. Dans le pays, là, bon, je te dois rencontrer le secteur privé tout, parce que ça permet de comprendre et faire ça qu'a fait sur l'économie. Donc, malheureusement, moi, quoi, le gouvernement prend toute charge là sous doule, au lieu d'y impliquer moun, même moun qui t'a peut-être pas dans même longueur d'onde avec eux. Ça, c'est une. Deux. Donc, le Kenya, au fond, fait, il va faire un rapport qui va informer ensemble avec rapport, lettre du 14 août que le secrétaire général Antonio Guterres t'es voué dans l'ONU, et côté li, il était exprimé sous deux choix, au Tébali, dans paragraphe 18, résolution 2692, là, conseil a demandé pour lui, bah, une recommandation par rapport à une force, la possibilité d'une force multinationale ou d'une force de maintien de la paix. Donc, lui-même qui ça le fait, lui coupe la voix en deux, lui dit, contexte n'est pas possible en Haïti pour une force multinationale, excusez-moi, pour une force de maintien de la paix à la MINUSTA, mais les plus est porté sous une force multinationale de police. Et puis, le Liran n'y compte que le problème n'est pas simplement un problème policier de sécurité publique. Le problème plutôt de sécurité nationale de façon intégrée, donc il dit avec des moyens militaires. Bon, grand pile analyste qui ne peut pas trop comprendre ça, rébut, moi-même, nous sommes un petit gens perplexes. Cependant, cela étant, nous avons un monde politique, c'est comme ça va galérer. Maintenant, moi, je voulais dire que mon ami Ralio a fait travail, je suppose qu'il a rencontré des gens qui ont estimé qu'ils valident, qu'ils font travail. Je vais vous remonter, je ne vais pas faire ça. Mais ça m'a fait, m'a dit que les prématurés, c'est-à-dire le rapport qu'on arrive pour qu'on connaît qui nature et force là, c'est-à-dire qui genre de et police et cap la donne, bien que nous capables de présager qu'il y a plus de police, c'est soit monde qui a intervenu, et qui mandat, c'est-à-dire mission, dans l'engagement international là, nous dit mandat, qui mission au balbaye et force là. Bon, maintenant, le point, le conseil de sécurité et que le secrétaire général l'a voyé par le conseil de sécurité, avec rapport mission Kenya, et puis et information que des missions diplomatiques importantes, comme les États-Unis, le Canada, la France et en Haïti, et puis information que le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, gagne tout. Là, on prend tout ça,
Américains avec Équateur qui a porté dossier Haïti dans le Conseil de sécurité pour faire circuler une résolution. Et résolution, t'as supposé, premièrement, me dit, t'as supposé, un, garder nature menace qui pesait sous sécurité en Haïti. Et puis deux, garder qui ça qui gagne en Haïti et traiter menace. En l'occurrence, la police nationale. Maintenant, yo t'a dû prendre les forces armées d'Haïti tout. Mais blanc yo non quelqu'un côté yo pas veut parler de l'armée. Et malheureusement, nous même haïtiens, c'est-à-dire mon cap gouverner Haïti, yo dirigeant haïtien, yo accepté ça. Maintenant, le regard des configurations forces en Haïti, qui ça le ka fait, qui ça le pas ka fait, qu'on a faut regarder compte tenu de menace là, qui ça a besoin. Une force multinationale et internationale avec des moyens militaires, j'ai un secrétaire général là, dit là, tu as capable besoin. C'est élément ça qui pral démontrer qui genre de mandat force la loi gain. Donc son on dit que article Miami là son sorte de spéculation par rapport à des entretiens que bail pas minimiser mais m'a dit que n'est pas définitif parce que n'est pas qu'à présager que yo connaît qui sa sécurité et conseil de sécurité pral bail ou éventuelle mission multinationale et mandat. Maintenant, si on prend autorité américaine yo à leur mot une situation là qui est explosive, qui est extrêmement difficile. Juste hier, moi, je reçois un courrier électronique, un email de l'ambassade des États-Unis disant que il y a un problème dans la zone là, parce que une opération qui a fait, la police a mené une opération contre bandits qui sont dans la zone là, contre l'ambassade là. Vers la fin de la journée, dans la soirée, moi, je reçois l'autre email qui dit l'ambassade là levé restriction de mettre en zone là parce que la police fait opération semble opération by South of Chachia. Donc c'est à dire un contexte international un contexte national tout côté menace là clair yo connaît qui ça bagala et maintenant kounia autorité haïtienne yo gain pour yo insister que yo demandé un appui international robuste pour aider démanteler à terme immédiat, même pas aller à court terme, à terme immédiat, pour y restaurer le passage dans les zones assiégées, pour y retirer moun ki gen zam de façon illégale, gang yo, dans zone za yo, pour 195 000 moun, on dit 200 000 haïtiens qui déplacent yo, tournent la kay yo, que ce soit dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, côté le corridor nord-est, même dans la mer ouest, le sud, sud-ouest de Port-au-Prince, la zone de Carrefour-Feuille, côté Mounio, a vu une situation qui nourrit la journée. Donc, toute zone ça, ça tape extrêmement grave, même aux déréductions. Si autorité haïtienne, et canadien, américain, français, binu, qui connaît qui s'accapte bien dans le pays, ça a la journée. Si vous avez demandé une force multinationale pour venir, et puis Kenya a accepté de prendre un commandement avec l'autre pays, et puis tout ça, vous venez faire, vous dites qu'il y a sécurisé l'aéroport. Ça tape extrêmement grave. Et moi, je voulais quoi, comme ancien diplomate dans l'ONU, et ancien diplomate américain, moi, je voulais quoi, que ma mère a soulevé une inquiétude. Mais que moun qui implique yo, surtout au niveau du gouvernement haïtien, yo connaît que yo mandon mandat que force la vini pour li accompagner la police, les forces spéciales de la police d'Haïti, et que Haïti lui-même, même quand mandat patagien là-dedans pour yo renforcer les forces armées d'Haïti, et moi insister, même quand l'armée a d'agen 1000 moun, 1500 moun, c'est moun qui l'a, que le peuple a payé pour manger, pour côté pour dormir, pour former. On connaît un avion qui fait quitter Haïti dans quelques jours qui se passent là-haut, car au Mexique, pour formation. Je ne vais pas dire chiffre là, mais tout le monde qui connaît compte ça. Donc, Haïti, il y a l'âge dépensé pour 1000 à 1500 hommes et femmes de troupes. Nous avons pour obligation pour chercher les gens qui connaissent dans le pays, puis vous demandez général Le Sage, pour lui, au regard des menaces, en tout cas pour que vous gagnez, qui j'en force armée d'Haïti à aider. C'est-à-dire, faut que nous comprenions que l'ONU lui-même comprenne
que la police nationale seulement pas qu'à résoudre le problème là, yo konn ça pour toutes raisons que collègues ont discuté que tout le monde connaît dans le pays là. Donc c'est autorité haïtienne yo qui vous pesez de tout leur poids avec diplomatie, avec sens de responsabilité en Haïti, parce que ouais, comprennent que l'ONU et les Kenyans, les Bahaméens, les Antiguains Barbudais, les Jamaïcains, ou bien Sénégal, si Sénégal t'a vini, yo pas qu'à résoudre le problème dans nous. Yo vini en appui à effort que nous-mêmes n'a fait. Donc c'est ça qui détermine, c'est ça pour peuple haïtien exiger dirigeants pour yo prendre responsabilité. Force là vini pour accompagner, pour aider. Mais on a remarqué que yo pas compte rien. Soit vous en force grand ravine ou pas vous en Kenya grand ravine, ou voyer et des politiciens haïtiens qui ont gagné un backup musclé de la force multinationale, a toujours gagné un policier en premier plan. Dans le contexte international, non genre de situation ça, c'est comme ça le fait. D'ailleurs, le ministre était là en 2004 et 2017 même opération Bagdad, tout le monde dans la police là connaît a dit en premier rang, c'était toujours les policiers haïtiens. Des policiers aguerris qui ont fait le travail là. Mais je connais un peu les policiers, ça ne parle pas encore. Mais dans le deuxième périmètre, avec les ministres, les policiers sont en difficulté. Ils ont autant de. Ils ont eu les renforts. Les renforts ne sont pas venus. Well, Jean, ça t'a supposé fait. Le policier a eu une opération. Ils ont eu le premier périmètre là, ils ont engagé. Derrière, il y a une force multinationale là qui suppose bah, au backup, même bien ça a été fait dans le ministère. Et encore, un élément important que le collègue a dit dans le reportage, dans la mise en contexte, dans l'analyse. Là. Et un ancien, ancien membre de la ministère, qui. Oui, donc gagner une mémoire de qui ça a été fait pendant la ministère. C'est-à-dire dans le contexte international, l'homme des soldats, l'homme des marines, pendant l'opération, premier bagage nous faire après l'opération, c'est ça nous un after action report, une évaluation après action. Côté où garder, qui objectif vous dégainer, à qui moi on t'a allé, qui sont tes faits, qui obstacles rencontrés, qui échec ou tes joints, qui succès ou tes joints, et qui ça qui causait tout ça. Tout élément ça a existé, donc ça veut dire que les Nations Unies t'a supposé bien tout le rapport ça qui a présenté Kenya sur qui genre au niveau sociologique, démographique, configuration et jeunes garçons qui désœuvrés, qui allons pas excuser ça qu'a fait là. Mais bon, conditions sociologiques, socio-économiques et politiques qui font nous dans la situation d'hier. Tout donné, ça a existé et on a supposé quoi que nous sommes suffisamment professionnellement doués et aux compétents pour prendre tout élément ça. Donc, Mami Eral, qui a fait son journalier, il a besoin d'une large écoute, un monde qui a lu pour en partie faire sensation. Et ils ont un grand service, ils ont soulevé des questions qui sont pertinentes. Mais ça va me dire que ça, dit dans l'article là, c'est ça la gala pralier. Alors c'est donc, ça. Donc Naptan pour. Naptan probablement et résolution l'ONU. Mais dernièrement, on fait approche, on te dit que c'est possible pour que ça t'a fait avant même États-Unis quitter présidence tournante Conseil sécurité. Hein, qui a botté, qui date là? C'est en septembre? Bon, et chaque mois, mon membre conseil de sécurité a qui assume la présidence. Donc, les États-Unis a président jusqu'à minuit, entre le 31 août et le 1er septembre. Bon, l'information que nous avons, c'est que semblait que le conseil de sécurité a mis des rencontres pour le 15 septembre. Et ça dit mon bagage. Ça dit que, avec qui on a préféré, que c'est pendant au président que rentre une résolution. Un, il y a pas Kenya autant pour faire travail là. Et deux, il est possible que il y ait une dissension au sein du Conseil de sécurité parce que Chinois avec Koussio, papa Nick Bay, un chèque en blanc. Chinois avec Koussio, papa entériné, on fait accompli, comme quoi bonne résolution est acceptée. L'important pour Chinois à Koussio, par exemple, que il y ait un accord politique en Haïti qui mettait un gouvernement qui jouit de plus de légitimité et où après, dans toute l'encontre qui était faite, sur des bonnes gardes, sur des bonnes rapports, où après, que Chinois, avec Russo, ont insisté sur ça. Maintenant, Mbakwe Bagaza a levé. Donc, vraisemblablement, si Américains, d'ici au 31 août, pendant le président, assuré président du Conseil de sécurité,
pas introduit une résolution, c'est que gon difficulté, gon marchandage qu'a fait, ou bien voir même un chantage de la part de la Russie et de la Chine, pour adopter une résolution que même deux pays ça a supporté, ou encore la Chine et la Russie qui fait pression peut-être pour acteurs politiques haïtiens, qui a démontré et bonne foi, pour d'abord un accord politique avec une feuille de route qui permet qui est non gouvernement qui jouit d'une meilleure légitimité. Donc son signe, si c'est le 15 septembre, que tu as un malaise au niveau du Conseil de sécurité. Non, j'aime qu'on ait bagarre ça au compte fait, c'est ça m'taka penser par rapport à ça qu'on fait là. D'accord. Merci un peu, monsieur Pierre-Antoine Nanlui. Bonne journée et bon week-end, autant que nous capables. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur Louis. Alors, l'autre précision pour nous porter et guerrier, délégation kenyane a clairement dit ça dans l'information journal Miami Herald rapporté. Il dit que déploiement là, il n'est pas capable de dire trop grand chose, sinon, il va dépendre de plusieurs facteurs. Il y en a d'ailleurs ces résolutions, Conseil sécurité a avec lui-même au niveau de la CAIO gouvernement Kenya. Vous comprenez? Et on extrait rapidement, guerrier de seul, toujours dans le même article, là, qu'une des dix, son article qui est très longue. Côté journal, là, posé question pour dire qui côté plan ça sorti? Plan pour ces infrastructures stratégiques, publiques, souvelées pour yovin sécurisé et puis la police italienne va concentrer sur bataille contre gang yo. Eh bien, journal là t'est parti comme ça pour le dire, il pas paraître clair que c'est l'idée pour Kenya protéger installation stratégique yo dans pays a, li sorti bon côté gouvernement haïtien ou bien bon côté États-Unis. Donc pas rien qui prouve ça. Mais toutefois gon lettre qui date 7 juin 2023 qui t'a joindre Gutierrez en parlant de secrétaire général des Nations Unies, côté premier ministre haïtien lui-même t'a réitéré appel li pour un soutien solide bon côté force sécurité haïtienne yo dans objectif pour établir la paix et sécurité. C'est pas une force qui a vienne faire travail là dans place haïtien yo, mais c'est plutôt une force qui pourrait capable gagner et effet dissuasif sur les efficaces dans certaines zones stratégiques tant que port et aéroport. Donc c'est ça Miami Herald lui-même l'a rappelé, qui était écrit dans lettre qui t'a rejoint et secrétaire général la 7 juin 2023. Et jour lettre ça t'est écrit à gain responsable américain yo qui eux même t'est confirmé by Miami Herald vice-présidente Kamala Harris lui même l'était prévoir pour profiter d'une visite avec dirigeant caribéen dans Bahamas dans demain pour te faire pression sur yo en faveur d'un soutien à court terme à police nationale d'Haïti pour sécuriser un bon nombre limité de sites d'infrastructure critiques à Port-au-Prince parmi yo aéroport à port. Donc pour Paul Williams qui étudie opération la paix avec menace émergente et à sécurité et puis guerre principalement en Afrique, qui lui même tout enseigné tout dans Elliott School of International Affairs de l'université et George Washington. Eh bien, il déclarait, il estimait que chance et pour opération anti-gang yo ta bail résultat ou bien chance pour ta gon succès dans opération anti-gang dans pays d'Haïti yo très faible. Et puis raison a, il varier de taille là qui relativement petite avec mission qui proposé a qui gagne un manque de légitimité souvle bon côté et qui lié surtout à un manque de légitimité bon côté gouvernement actuel là qui même pas réussi joindre un accord avec opposition hein? Et puis groupe yo dans société civile là sous gouvernance pays a et yo pral gagner pour une fois encore confronté à des appels de démission de coalition dans société civile là par exemple Montana qui toujours demandé ça. Question politique clé pour toute force multinationale c'est pour connaître dans qui mesure gouvernement actuel là lui-même li légitime et puis capable et permettre que ça qui gagne comme mission yo atterri. Si légitimité gouvernement li faible, donc ça li même la terni souvle toute force internationale, c'est ça professeur William li déclaré. Pour déstabiliser pays d'Haïti à court terme, mandat en force multinationale li pas capable limiter seulement dans formation la police qui li même prend plus temps avant le joindre, avant gagner un impact. Monsieur dit comme ça, si mission k'ap vini ben force k'ap vini là c'est pour former la police là, la prend plus temps que prévu alors que situation est urgente. Ouais. Pour jouer un impact alors fin former policier d'abord former au bon temps. OK? Après ça, pour mettre moyens à la disposition pour y aller
implémenter ça au te apprendre donc ça prend temps alors ouais. Que la situation est urgente donc nous devons surtout attirer attention mon yo sur extrait ça qui toujours là et article Miami Herald on a rappelé son article qui vraiment longue guerrier oui vraiment longue eh ben nous parler